Ellie, j'emporterai la maison aux chutes du paradis. Escadron Alpha, à l'attaque et détruisez cette maison. Oh non, mon avion fait du mal. Ce bouton envoie les choses qui brûlent et font du bruit. Faut détruire la maison en visant un ballon. Je tire là-dessus, je ralentis. Young, tu porteras la collerette de la honte durant des semaines. Va-t'en. Ah, village bien. La cible. Voilà qui s'est pas décidé. Young, tu porteras la collerette de la honte durant des semaines. Va-t'en. Sur l'aventure. Russell est victime d'une terrible chute. Carl Fredriksen n'en croit pas ses yeux. Notre jeune explorateur en sortira-t-il indemne? Aucun de ces événements ne faisait partie du projet initial de Carl. Oh, comme Ellie, sa femme bien-aimée, lui manque. Il s'était promis d'aller vivre aux chutes du paradis. Mais hélas, Ellie est partie trop tôt. Maintenant, Carl a un nouveau compagnon de voyage. La semaine dernière, le vendeur de ballons à la retraite a fait la rencontre d'un explorateur en herbe. Qui aurait cru que ce duo improbable s'apprêtait à vivre une aventure aussi extraordinaire? Accrochez-vous à vos chapeaux et à vos cannes d'explorateur, le voyage sera mouvementé. Jamais de train d'atterrissage quand on en a besoin. Mais rien n'est perdu, car voici les chutes du paradis. Dire qu'on sera bientôt aux chutes du paradis. Ça me dérange pas de sauter. Ce que j'aime pas, c'est tomber. Ouais! Imitons les singes pour une fois. Enlève ça de notre chemin. On a réussi! Ces singes ont l'air d'avoir une bonne idée. Une fois là-haut, je t'aiderai à monter, Russell. Vous êtes sûr de pouvoir me soulever, Monsieur Fredriksen? Non, mais on peut essayer. N'aie pas peur, Russell. On ne peut pas sauter aussi loin. Dommage qu'on n'ait pas de bulldozer pour pousser ce gros rocher. Tu as peut-être une solution? Je vais peut-être y arriver. Qu'est-ce qu'on dit dans ton manuel? Je vais te hisser grâce à ma canne. Tu crois que tu peux passer là-dessus? Enlève ça de notre chemin. Si j'accroche ma canne au rebord, je pourrais monter.
sacré! Oh! Vous avez vu, Monsieur Fredriksen? Ce courant d'air est causé par le vent qui souffle dans les grottes souterraines. Il faut savoir que si on reste accroché à la maison, le vent va nous pousser de l'autre côté du gouffre. Accroche-toi, Russell. On va s'aider de la maison pour le survoler. On a réussi. Regardez, cette roche est un pivot. Je fais la même chose avec une boîte et une règle pour lancer mes figurines. As-tu déjà envisagé d'essayer? Que voulez-vous dire, Monsieur Fredriksen? Tu verras. Attends à l'autre bout, là-bas. Imitons les singes, pour une fois. Tenez, Monsieur Frédéric, j'ai peut-être un moyen pour vous faire monter. On a réussi! Comment faire pour passer? Cette planche est trop grosse. On pourrait la pousser, mais il y a un rocher qui gêne. Oh! Je vois un petit passage. Je peux essayer de me faufiler pour enlever ce rocher. Allons-y doucement. Je ne me vois pas dire à ta mère que tu as été ratatinée comme une crêpe. Oh. Oh. Tu crois que tu peux passer là-dessus? De catapultes naturelles dans la jungle. Prêt pour un autre envol? Il faut aller par là, à travers ces arbres abîmés. Comment fait-on ça? Tu aimes le bowling? J'ai vu des pierres assez grosses sur le chemin. Cette canne va me sauver la vie. Ce rocher du chemin, je pense pouvoir passer par là. Alors, comment veux-tu que je traverse? Je peux pousser le gros rocher. Alors, essayons. Russell, tu as quelque chose pour couper cette corde? Je peux atteindre ce rebord avec ma canne.
C'est trop lourd pour moi, Russell. Mais je vais me fatiguer s'il faut le pousser loin. Il suffit de la faire bouger. On a réussi. C'est triste à dire, mais j'ai de la... Je peux peut-être te propulser si tu restes sur ce rocher. Ah!